Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy ? Qui ne le souhaite pas ? Au Grand Budapest, monsieur. Ainsi ma vie commença. Apprenti Lobby Boy débutant sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamite, cette femme au plumard. Elle avait 84 ans. J'en ai eu des plus vieilles. Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha. Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte avec toi ? Oui. Je vous donne ma bénédiction. Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur. La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée et vous croyez que je l'ai tuée ? Arrêtez ! Vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliquée à la morgue, mais je veux la même. Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H., je lègue le tableau nommé « Garçon à la pomme ». Wow. Quoi ? Qui est Gustave H. ? J'ai bien peur que ce soit moi, très cher. Si jamais j'apprends que vous avez posé un seul doigt sur ma mère, vivante ou morte, je couche avec tous mes amis. Il faut faire un projet pour ta survie. Cache ça. C'est un code et il te faudra une loupe pour le lire, mais il t'indique où et comment retrouver le garçon à la pomme. Je suis boulangère. Tu es je la suis pas une fourgueuse, si c'est le bon terme. Je veux des barrages à chaque carrefour sur 50 km. Je veux un barrage dans chaque gare sur 100 km. Montez ! Je veux 50 hommes et 10 chiens policiers prêts dans 5 minutes. Vous ne pouvez l'arrêter juste parce que c'est un foutu immigré. Oh ! Et lâchez tout de suite, mon Lobby Boy ! As-tu déjà été interrogé par les autorités ? Oui, à une occasion. Laquelle ? J'ai été arrêté et torturé par la milice rebelle après la révolte du désert. Bien. Alors tu connais le topo ? Motus.